Salut à tous, c'est Bazat2000 GT et aujourd'hui on se retrouve pour la White Reach, encore sur une map DLC du pack Crimson. Cette fois-ci on se trouve sur la map Wreckage ou je ne sais quelle. Donc à vrai dire, pour moi je dirais plutôt Wreckage, mais c'est vrai que je ne suis pas très connaisseur niveau clé. Alors là, dès le début, vous avez remarqué, on a quand même pris direct le Warthog, ouais, Wolf et moi. Je suis monté directement en tourelle, lui est monté en conducteur. Et le début, on fait n'importe quoi. D'ailleurs, vous avez peut-être pas remarqué, mais il a pris un rocket. Et vous allez voir, ce début est what the fuck. Je descends, il descend, je descends, je remonte, il descend, et là, boum, je remonte, on va exprès. Puis, oh, je vais peut-être sortir, boum, je fais. Et à ce moment-là, on s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Et on n'a pas eu de réponse, on n'a pas testé de regarder ça. Donc, et bah, comme vous le remarquez, contrairement à la dernière vidéo, je m'étais trompé, on n'était pas en Capture the Flag, on était en Roi de la Colline, ça je suis rendu désolé de l'erreur. Mais là par contre on est vraiment Capture the Flag. Et vous allez voir que cette partie va être très serrée. Et quand je dis très serrée, là j'esquive de justesse un ghost qui était sur mon radar, donc j'ai vu évidemment un peu avant. Donc là par contre évidemment moi je me faisais plaisir au pilote d'assaut. D'ailleurs pas si longtemps que ça j'ai rejoué à Reach et ça m'a fait super bizarre d'y rejouer. Avec White Wolf, on a un peu rejoué à Reach et ça nous a fait super bizarre. On voit tout de suite que le multi de Reach est beaucoup beaucoup moins dynamique que celui de 4. C'est quand même quelque chose d'assez malade. Bon, les graphiquement, on avait encore rien à dire, ça avait pas de problème. Graphiquement, Reach était encore joli. Mais franchement, les sensations étaient complètement différentes. Mais complètement, complètement quoi. C'était quelque chose de fou quoi. Là, comme vous voyez, bah, c'est un peu tendu du slip hein, au niveau capture du drapeau. Mais on fait comme on peut ici. D'ailleurs je tiens à m'excuser aussi. On vous avait promis à la White Reach une vidéo de comment obtenir l'armure Raider sur Halo 4. Seulement bah manque de temps, bah on l'a pas fait. Malheureusement. Enfin moi c'était manque de temps. White Wolf lui il avait peut-être moyen. Il devait sûrement même avoir moyen. Mais bon, je l'avais pas dit que je comptais faire ça. Vu qu'il ne va pas souvent sur Twitter. Voilà, je sauve un collègue, comme vous voyez, protecteur. Alors. Bon. C'est vrai que cette map là, même si elle me paraît pas un peu exceptionnelle, j'aime bien. Ça a aussi un style parce que, comme vous voyez, on est dans des épaves. Là, c'est vraiment. Ici, il y a tout qui a été explosé, des vaisseaux, des morceaux. Même on aura des explosions parce que là c'est le gameplay qui veut ça. D'ailleurs double assistance mais j'ai. Et là, oulala. Celui-là, on l'a, je l'ai eu. D'ailleurs faut faire gaffe. Alors, oui on voit. Ah voilà. C'est vrai que comme vous voyez, je fais mal d'assistance, c'est pour ça que j'ai obtenu d'ailleurs la médaille ailier. Pour ceux qui savent pas, la médaille ailier consiste à faire un paquet d'assistance, on va faire 5 assistances, c'est parti, sans mourir. Là lui il voulait absolument le drapeau mais bon, il n'y avait pas que moi sur le drapeau alors ça allait être un peu chaud pour lui. Donc même, comme vous voyez, nous, il nous reste encore 11 minutes, un peu plus de 11 minutes, pardon j'allais dire 12 minutes sauf que ce n'est pas le cas. Comme vous le voyez, là, je récupère le DMR car on sait tous très efficace. Alors sinon je le disais, comme vous le voyez, nous sommes à égalité pour le moment. Vous avez, comme je vous dis, la partie va être très serrée. Vous allez remarquer très rapidement. Parce qu'en fait, dès qu'on capture un drapeau, bah, il capturait le nôtre. Ce qui fait qu'on tombait souvent à égalité. Et ça, c'était assez frustrant. D'ailleurs, je vais pas vous mentir. Moi, j'ai l'impression que les succès du pack Crimson sont un peu buggés. Par exemple, j'ai débloqué le succès ASCO. ASCO qui consiste à utiliser un canon humain et tuer un ennemi avant d'atterrir. Donc ça on est d'accord, en gros ça consiste à prendre un truc qui nous propulse et qu'on tue quelqu'un avant de descendre, avant de toucher le sol. Donc ça, on est d'accord sur ce point là. Seulement moi de 1 j'en ai pas pris. C'est un ennemi qui en a pris un. Et ce n'est même pas moi qui l'ai tué. Et moi j'ai eu le succès quelques secondes après. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais what the fuck, mais j'ai pas du tout rempli la condition. Bon, après, c'était un succès de 30G, alors moi, je vais pas dire non plus. Mais c'était bizarre. Alors là, le bouclier qui me sauve la vie sur ce coup-là.
Par contre, pour combien de temps? Bah, c'est pas pour tant de temps que ça. Autant si je m'étais. Si j'avais mieux joué que ça, bah, j'aurais une chance de survivre un peu plus longtemps. Mais ça n'a pas été le cas. D'ailleurs, comme vous voyez, il y a toujours d'aussi bons effets de lumière. Hein. Ça, c'est vraiment une habitude sur Halo 4. Les effets de lumière sont toujours aussi subis. Ah ouais. Le Warthog, l'ennemi. Et donc là, bah, on défend comme on peut. Et là, bah. Le Warthog, voilà, ouais. Le drapeau, assassinat. Alors j'ai voulu vite le piquer pour troller l'allié. Finalement, ça n'a pas été le cas. Mais bon, c'est pas grave. Hein. De toute façon, ça aurait fait juste un petit frag. Et même si je suis pas contre les frags, au contraire, je suis pour. Ça m'aurait pas dérangé de pas l'avoir. Hein. Voilà. Ah, apparemment, j'ai trahi quelqu'un. Ça, j'avais pas vu. Comme quoi j'aurais trahi quelqu'un. C'est marrant parce que bon, il y avait un débris de bois. Il y avait un Warthog qui s'amenait près de moi, qui a explosé et un débris passé en dessous de moi quand j'utilise le jetpack. Et ça me faisait assez peur. Donc là j'ai mis un peu de temps à réapparaître parce que quoi, j'avais trahi un type, ça je comprends pas pourquoi. Et là je réapparais. Le frag, je le laisserai pas ramener le drapeau. Et là j'oubliais. Ah mais c'est vrai. Je n'ai pas la vision pour mes TN. Là. Il s'amène, mais là il y a d'autres ennemis avec. Et là, par contre, je ne. Ça, c'est le genre de point qui m'énerve. Oh. Vous avez vu ce qu'il a fait, mon fusil d'assaut? En tout cas, je suis mort. Un peu n'importe quoi, mais bon, bah, c'est cool. Hein. S'il y a bien une chose qu'il faut qu'on vous dise à la voix de Switch, c'est qu'on n'est pas une team sérieuse. Hein. On a beau faire des commentary pour vous expliquer la partie, etc. Franchement, on n'est pas là pour montrer des gameplays de ouf. On fait des ratios de. De 20 kills et 0 décès, non, franchement, c'est pas notre but, justement. Avec White Wolf, c'est impossible d'être sérieux, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, sinon, je disais, bah justement, à un moment, j'ai pas quelque chose qui m'énerve, c'est que il y a une sensation bizarre quand on me tire dessus et que je dis de petit flingue. En général, j'arrive plus à viser le mec. Ça m'énerve. Ouais, ça va, le mec était pas expert. Et à un moment, vous allez voir un petit frag assez, bon, pas vraiment marrant, mais vous allez voir. On va voir un d'ici. Je pense d'ici peu, hein, ça devrait pas trop traîner. Donc là, voilà. À un moment, j'ai un peu visé comme un peu visé n'importe comment. L'essentiel, c'est de réussir à faire un max de frag. Là, pom. Ça, j'adore acheter quand les mecs avec le petit flingue. Et là, hop, double frag. Est-ce que c'était un headshot? Je pense que c'est un headshot, mais je sais pas. Et là, le fils pour rien. Et vous allez voir que ce dernier va quand même pas mal me servir en défense. Hein. Donc là, un ghost, et c'est moi qui explose le ghost avec mon fusil prométhéen. Donc là, il y a White Wolf à la tourelle. Je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est sa matricule, c'est Rima. Et voilà, il s'en va. Il va tenter de capturer le drapeau. D'ailleurs, vous voyez, on est pas au 1-1, maintenant on est à 2-2. On va 2 partout. Vous allez voir, ça va être tendu, mais jusqu'au bout. Allez, le fusil prométhéen est très efficace. Il a pas fait long feu quand même pour tenter de récupérer le drapeau. En fait, il a surtout compté sur moi. Mais c'est comme s'il s'attendait que je. Enfin, j'ai l'impression qu'il ne s'attendait pas à ce que je tire sur lui. Alors, lui, pendant ce type, il voulait que je monte avec lui. Mais comme vous avez vu, j'ai fait un petit nom de la tête. White Wolf, lui. De grimper à la tourelle, il utilise pas son cerveau et il grimpe en passager. Là, mais ça se voyait, le mec il voulait absolument moi en tourelier, mais non. Moi j'ai dit non, moi je restais défendre le drapeau. Comme vous voyez, ouais. Moi je suis attaché aux objectifs. Hein. Moi quand il y a un jeu objectif, je m'y attache. Et là, bam. J'ai été trahi par Emile. Enfin, par ce mec à la matricule Emile. Et comme vous voyez, le radar il m'a bien foncé dessus. Hein. J'ai pas rêvé, il m'a foncé dessus. Mais pour quelle raison, je ne sais pas. Là, je récupère le DMR par contre. On dirait que je ne récupère même pas le fusil prométhéen. Quoique. Ah non, je l'ai récupéré. Un petit rechargement s'impose. Alors. Toujours en défense. Là, il me semble. Non, pour l'instant, il n'a pas encore capturé. Ah voilà, allez. D'accord. On est d'accord, je ne le tue pas. Il a emprunté un canon humain, je ne l'ai pas tué. Et j'ai une assistance. Et bah, peu de temps après, au moment où j'ai commencé à fraguer celui-là, et bah j'ai eu le succès. Et là je me suis dit, mais what the fuck quoi. En regardant le succès, ça ne correspondait pas du tout à ce que j'ai fait. Donc ça, j'avoue que j'ai pas tout de suite compris.
Enfin, j'ai regardé après la partie, hein. Je suis comme resté en partie pour bien me concentrer. Ouh, attendez, mon écran devient noir, qu'est-ce que vous allez dire? Ah, c'est parce que j'ai pas bougé la souris, je suis bête. Il y a un truc qui me fait comme marrer avec ce fusil prométhéen, c'est quand vous zoomez et que vous tirez, le bruit n'est pas le même que quand vous ne visez pas et tirez. Bon, c'est un petit détail. Je trouve ça quelque part assez logique, hein, on sait jamais. Enfin, pas vraiment logique, mais je trouve ça assez marrant. C'est un petit détail comme ça. D'ailleurs, vous voyez ce foutu effet de lumière? Ah oui, regardez. D'accord. Et le mec se tue avec sa grenade. Je commence à l'entamer et il se tue avec sa propre grenade. Ça, j'ai trouvé ça assez marrant. Alors, ils arrivent à prendre le drapeau ou pas? Normalement, c'est d'ici peu qu'ils vont réussir à le prendre. Mais comme vous voyez, franchement, on a une défense très solide. Là, je savais qu'il y avait un mec. Il m'avait surpris celui-là au début. Et là, je l'ai. De justesse quand même. S'il avait bien visé, il m'aurait eu. Mais heureusement que j'ai une capacité pour régénérer mon armure plus vite. Et elle se régénère plus rapidement. Mais surtout, elle met moins de temps, temps à... Comment dire? Quand elle se recharge... Ah bah, allez. Je me fais écraser comme une merde pendant ce temps-là. Mais par contre, eux, ils se retournent comme des petites bouses. Alors, je vais vous expliquer. Quand mon bouclier se recharge, déjà, il met moins de temps. Mais surtout, quand je perds mon bouclier, il va mettre moins de temps. Enfin, je vais mettre moins de temps à le récupérer. En gros, si vous voulez, mon bouclier est plus rapide et plus efficace. Il n'est pas plus résistant, mais il est plus rapide. Dans les deux sens. Récupération et régénération. Voilà. Récupération et régénération. Voilà, c'est parfait. Ça c'est les mots qu'il me fallait. Super. Merci le cerveau. Cerveau qui me fait souvent défaut. Très bien. Allez, White Wolf est un peu en galère. Et là, je tente de lui venir en aide. Non, je ne crois pas que je vais vraiment l'aider. Hop là, je l'ai eu. De justesse, mais je l'ai eu. Celui-là, il a vision prométhéenne. Si j'avais tiré à temps, je l'aurais eu. Je dis bien si j'avais. Attends, tire à temps. Et ça n'a pas été le cas. Alors, ils sont au score toujours à 2 partout. Et comme vous voyez, il reste à peine un peu plus de 2 minutes de partie. Et on est toujours à égalité. Non, non, on s'est dit, allez, faut quand même attaquer un max si on veut capturer le drapeau. Ce serait pas mal. Parce que... Vous voyez, en général, même si je ne suis pas très jeu objectif, au contraire, moi, je préfère un petit simple deathmatch, un truc basique. Malgré tout, quand il y a du jeu objectif et que j'aime bien, et bah je m'applique. Je m'applique, c'est de capturer le point, etc. Là, par contre, j'étais un peu foutu parce que les mecs étaient nombreux. Et là, je disais, les gars, ils ont pris le drapeau. Et comme vous voyez, nous aussi, on avait pris leur drapeau. Et notre drapeau était là. Là, le mec en ghost, bah je l'ai eu, enfin, je l'ai pas eu, j'ai réussi à prendre pour recul, mais un allié m'a tué. Je ne rêve pas, c'est bien, enfin, je ne vous dis pas des conneries, c'est vraiment un allié qui m'a tué. Un allié a stuck le ghost que j'avais commencé à prendre le contrôle. Du coup, j'ai éjecté l'ennemi, le ghost a explosé avec et moi avec, mais par contre, l'ennemi qui était projeté, lui, était encore en vie. Du coup, bah, ça a bien arrangé l'allié qui a pu le fraguer. Ça, j'ai trouvé ça un peu bête. Alors là, j'ai commencé à tirer au cas où. Là, par contre, je me suis fait tuer. Ah, mais j'ai quand même réussi à le tuer à côté avec, grâce à une petite grenade. Alors, quand j'étais mort. Alors, comme vous voyez, on a 3 partout maintenant. Il reste moins d'une minute. Et là, on s'est dit, allez les gars, on va quand même tenter de gagner, ce serait sympa. Donc là, on s'est appliqué à fond. La partie ne va plus durer trop longtemps. Alors là, voilà, j'arrive près du drapeau. Et moi, au lieu d'essayer de protéger, j'essaie quand même de faire le frag pour me dire au cas où. C'était pas une super idée, parce que comme vous voyez, on a eu un peu de mal à le dégager. J'aurais dû le dégager direct. Je l'ai à peine dégagé. Un œil est récupéré, il l'a à peine dégagé aussi. Là, je me suis dit, oula, on est un peu dans la mouise. Là, il nous reste 20 secondes.
je ferai des, frags ici par là, j'en fais un autre, double frag, etc. Et là, il va nous rester 10 secondes. Donc là, je me dis, oh, c'est foutu, on a perdu. On sera terminé sur une égalité. Pour moi, on sera bien battu, etc. Et là, regardez. Prolongation. Et là, on arrive. Le drapeau est à nous. Et on a gagné. On a gagné grâce à la prolongation. Et moi, je dis super. Bon, écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la White Storage si ça vous a plu. Surtout, suivez-nous sur Twitter pour plus d'actualités. On vous annonce des petits projets par-ci, par-là, et ça, c'est sympa. Et bah, à nouveau, merci. Et moi, je vous dis salut. Et à la prochaine. Allez, salut!